Good morning, allez, Iden, les tu sur aujourd'hui, les Lunishmat, Zarabat Mazal Tov, Shishportish, et les Lunishmat, notre cher abonné Guy Yaakov Ben Blanche Hadjadj. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Metzia Perektet, Mishnah Chet, Amekabel Sadem et Chavero, les Zora Seorim, Lo Israéna Chitim, Chitim, Israéna Seorim, Rabban Shimon Ben Gamliel Oser. Tvoa, lo Israéna kitnit. Kitnit, lo Israéna tvoa. Rabban Shimon ben Gamliel Oser. Mishnah relativement simple. On va d'abord introduire la halakha qui en découle, parce que c'est ce qui nous intéresse plus étant donné qu'on vit dans une autre réalité. Mais en tout cas, le principe de cette Mishnah est très simple. À partir du moment où un agriculteur qui prend le bail d'un champ s'engage à cultiver une certaine espèce, alors s'il décide finalement au bout du compte de changer d'espèce, le principe sera simple. Aura-t-il le droit ou non? Ça dépend d'une seule question. Va-t-il affaiblir davantage le sol ou non? Il y a des espèces qui affaiblissent particulièrement le sol plus que d'autres. La Gemara rapporte par exemple que cultiver le lin, ça esquinte la terre, elle donne beaucoup de force pour pouvoir donner le lin, par exemple. Ça ne va pas être évoqué dans la Mishnah, mais c'est la Gemara qui va en parallèle. Elle donne beaucoup de force pour pouvoir faire sortir le lin, et ensuite la terre, elle est tellement épuisée ensuite, après cette année-là, où il faut lui donner une espèce qui lui pompe moins de ses forces. D'accord? Ça, c'est le principe qui va découler de la Mishnah. Le Bar Tanoura va nous rapporter la halakha, qui va être retenue en tout cas. Tout ce qu'on va pouvoir prouver scientifiquement, biologiquement, que changer d'une espèce à l'autre affaiblit davantage, on ne pourra pas le faire, tandis que si ça n'affaiblit pas plus, ou au contraire même, ça laisse la terre se reposer, alors on aura le droit de changer. On fait tout ça dans les mots et ensuite on apporte une précision très importante. Amekabel sadem et chavero les ora seorim. Celui qui prend le bail d'un champ, un agriculteur qui prend le bail d'un champ, d'un propriétaire donc, les ora seorim, pour cultiver de l'orge. Lo Israéna Chitim, il ne pourra pas cultiver ensuite du blé. Le blé pompe plus de force que l'orge. Donc, on a parlé d'orge, tu as le droit de passer de faire du blé. Chitim, Israéna Seorim. Par contre, s'il prend le bail et il lui dit j'ai l'intention de cultiver du blé, et que finalement, au bout du compte, ça lui sort que c'est beaucoup plus simple pour lui de cultiver finalement de l'orge, il aura le droit de changer étant donné qu'il ne va pas affaiblir davantage le champ. Rabban Shimon ben Gamliel Oser. Et on a malgré tout Rabban Shimon ben Gamliel qui nous dit non, tu n'auras pas le droit de changer, même quand tu as parlé de blé, tu n'auras pas le droit de changer d'orge. L'explication, elle est simple. Elle est que changer. Il est vrai que celui qui veut cultiver du blé et qui cultive finalement de l'orge, alors il affaiblira moins la terre, certes. Mais il y a dans un cas de figure assez particulier. Ou au contraire, il vaut mieux, supposons par exemple que quelqu'un, on explique selon Rashi, soit il explique toute la Gemara à l'envers, mais on se contente du pirouche de Rashi, et supposons que quelqu'un veut cultiver tout le temps du blé. D'accord, il a ses raisons pourquoi ça vaut le coup pour lui d'affaiblir son champ et de cultiver du blé. Supposons qu'une telle personne se met à changer une année, à faire de l'orge plutôt que du blé, il va s'avérer qu'il va affaiblir davantage, encore plus la terre. Il a laissé la terre se reposer, puisqu'il a donné à cultiver de l'orge. Mais le fait de passer du blé à l'orge, et ensuite de revenir sur le blé, ça fait que ça affaiblit davantage la terre. Et Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, non, si tu as parlé de blé, tu n'as pas le droit de changer non plus d'orge, pour la simple raison que, peut-être que le propriétaire, l'année d'avant cultivait du blé, et l'année prochaine, quand toi tu vas sortir du champ, il a l'intention de cultiver de nouveau du blé, et que finalement, si tu lui colles une année d'orge au milieu, tu vas encore plus affaiblir le sol. Principe clair. On continue maintenant sur la Seifa de la Mishnah, avec le même principe. Cette fois-ci, on va parler de Tvoa, de céréales et de Kitnit, de légumineuses. Tvoa, lo Israéna Kitnit. S'il a conclu de cultiver de la Tvoa, donc des céréales, Lo Israéna Kitnit, il n'aura pas le droit de cultiver des légumineuses. Ça affaiblit davantage, apparemment. C'est les vacances, si vous partez à la campagne, demandez aux agriculteurs, ils vous le diront. En tout cas, Kitnit,
Israël natvua. Par contre, s'il a pris le champ avec l'intention de cultiver des légumineuses, des pois chiches, des petits pois, des haricots, finalement, il décide de cultiver des céréales. Cette fois-ci, la Mishnah nous dit qu'il aura le droit. Pourquoi ? Kitnit, Israël, tevua. Kitnit, donc s'il a fixé de cultiver des céréales, Israël a tevua, il aura le droit de cultiver de la tevua, des céréales. Et sur ça, on a Rabban Shimon ben Gamliel, Oser. On a de nouveau Rabban Shimon ben Gamliel qui interdit selon le même principe. D'accord ? Précision très importante pour notre Mishnah. On parle ici uniquement de quelqu'un qui a pris, d'un agriculteur qui a reçu un bail fixe, c'est-à-dire un choker, à la différence du Aris Kablan qu'on a évoqué pendant toute notre Mishnah. Il me semble que ça touche bientôt à sa fin ce jeu. Ouais, encore une Mishnah sur le sujet de Mekabel Sadeh Mechavero, encore deux Mishnah en réalité, et puis après ça s'arrêtera. En tout cas, on parle de celui qui a pris le bail, un bail à prix fixe, à la différence de celui qui est d'accord. Ou, dans ce cas-là, on lui dit, si tu vas affaiblir plus la terre, tu n'as pas le droit. Si tu vas affaiblir moins la terre, tu as le droit. À la différence de celui qui reçoit un bail à rente. Je préfère expliquer selon Ramban, celui qui reçoit un bail à rente, donc a donné un certain pourcentage, si ça lui prend de cultiver finalement une espèce qui affaiblit moins la terre, il n'aura malgré tout pas le droit de le faire. Pour quelle raison ? On avait parlé que tu allais me donner 30% de la récolte. On avait parlé de blé. Le blé coûte plus cher que l'orge. D'accord ? Donc c'est vrai que maintenant, hein, tu vas me dire « Oui, mais tu vas éviter d'affaiblir trop la terre et tu vas te mettre à cultiver de l'orge. » Mais moi, ça ne me convient pas. Je suis moi le propriétaire de la terre et je préfère que tu cultives du blé. Comme ça, je gagnerai plus d'argent. Le lachon de la gamin, c'est « Tikrush ara velo tikrush mara » que la terre, elle s'affaiblisse. Mais que moi, ma poche, elle ne s'affaiblit pas. On a parlé de 30%, j'espérais 30% de blé, ça allait me donner 50 000 à l'année. Et puis maintenant, tu veux me faire 30% d'orge. Ouais, je vais gagner que 45 000, ça ne m'intéresse pas, je vais avoir une perte. Ah, mais grâce à toi, je vais... Toi, tu prétends que grâce à toi, je vais avoir un champ qui va être de meilleure qualité. C'est très sympathique, mais moi, je préfère user ma terre, mais au moins remplir les poches, tout simplement. Donc, on n'a pas le droit de changer. Pour ceux à qui ça intéresse, il y a Rashi qui explique tout à l'envers. Regardez le Tosfot Yom Tov. On a fini maintenant l'explication de la Mishnah et on fait à présent le Partenora. Amekabel sadeh mechavero lezor'a chitim. Bachakirut, kach vekach seorim, o chitim, o ma'ot. On parle d'un cas de chakirut, de bail à prix fixe. Tant et tant d'orge à la fin de l'année, o chitim, o ma'ot, ou bien du blé, ou bien de la valeur. En tout cas, on va avec un prix fixe, une valeur fixe, quoi qu'il arrive. Et donc dans ce cas-là, finalement, le propriétaire est peu intéressé par l'espèce proprement dite, il est plus intéressé par le gain concret. Concrètement, il recevra toujours sa part à prix fixe, donc il est intéressé à ce que sa terre ne s'affaiblisse pas, comme ce qu'on expliquait. L'Oizrein Achitim, donc, si on a parlé d'orge, l'Oizrein Achitim ne pourra pas cultiver du blé. L'Izroa, c'est semer. D'accord ? Chez Achitim, Makrishot, Akaraka, Yoter, Minasorim. Pourquoi il nous explique ? Parce que le blé affaiblit davantage le sol, le parterre, la terre donc. Yoter, Minasorim, plus que l'orge. Rabban Shimon, Ben Gamliel, Oser. Rabban Shimon, Gamliel, lui, il interdit même de changer du blé à l'orge. Pour quelle raison ? Chez Kachel, Akaraka, car il affaiblit, dans ce cas-là, le sol. Chez Zorim, Ota, Shana, Miminze, Veshana, Miminacher. Quand tu t'amuses à changer une fois du blé et une fois de l'orge. C'est-à-dire, c'est vrai que le blé, de manière générale, affaiblit plus que l'orge, mais ce qui affaiblit encore plus, c'est de s'amuser à faire. Une fois oui, une fois non. Un sportif, c'est soit il court tout le temps, soit s'il s'arrête de courir, vous allez dire, ah, il se repose, il passe deux semaines sans courir, vous allez voir comment il va courir ensuite. Il va être encore plus affaibli. Ol inyan psak alacha hakol lefi hakarka ol fi hamakom. Finalement, retenez pour la halakha, le partenaire Abel, ce qu'il nous dit. Olinan psak halakha, pour retenir maintenant la halakha, retenez une seule chose. Hakol lefi akarka, tout dépend du sol. Ou lefi amakom, tout dépend du lieu, de l'endroit, on ne peut pas donner forcément de généralité. Chachamim ont enseigné leur Mishnah selon le lieu où ils se trouvaient. Là-bas, on était dans une configuration où le blé affaiblissait plus que l'orge et qu'il y avait une perte conséquente, au contraire, d'accord. Déduisez le principe, en tout cas, il est clair. Voilà ce qu'il nous dit le partenaire.
imitnaimo bedavar shemakrisha karka me'at et non echol shanot velezroa davar makrisha arbe. S'il a posé comme condition de faire, de la cultiver quelque chose qui affaiblit faiblement le sol, et non echol shanot, il ne pourra plus changer et cultiver quelque chose qui affaiblit plus. Veifra charé, le contraire a permis. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.